L'année module complémentaire santé se compose de 4 modules sur 32 semaines de formation. Le stage en santé, de 8 semaines. Le stage dans le monde du travail, de 6 semaines. Un module sur un travail personnel, soit le travail de maturité, soit un projet personnel, selon votre filière de formation. Et le module des cours théoriques et pratiques, de 14 semaines, composé de 4 unités de cours. Accompagnement et soins aux usagers, communication, professionnalisation en santé et sciences et santé. Voici une présentation de chacun de ces modules. Le stage dans le domaine socio-sanitaire aide à développer des compétences de base permettant de s'intégrer dans un milieu de santé et confirmer son choix d'orientation professionnelle. Il permet aussi de découvrir le milieu de la santé, différentes professions, différents lieux, la population ayant des besoins en santé. Vous allez aussi acquérir une expérience professionnelle, mais aussi évaluer vos aptitudes et bien évidemment réaliser des actions de soins et d'accompagnement. Le but de ce module est une immersion dans la vie active, c'est-à-dire s'engager concrètement dans une démarche de recherche d'emploi ou de stage, découvrir les réalités de la vie professionnelle au quotidien et s'y conformer, évaluer ses forces et ses faiblesses dans une situation de travail. C'est un stage qui peut être réalisé dans tous les domaines d'activité et sa durée est de minimum 240 heures effectives. L'unité de cours Accompagnement et soins aux usagers est construite sur deux axes. Un axe théorique et un axe pratique. Dans la partie théorique, l'élève va pouvoir acquérir différents outils et connaissances pour accompagner les patients et les autres usagers des soins. Pour les ateliers pratiques, différents soins seront entraînés, comme la toilette, les soins de bouche, la prise de pression artérielle ou d'autres paramètres vitaux, l'observation de la peau, la mobilisation des patients ou encore des notions de diététique et de nutrition. La communication est un axe de travail essentiel pour la pratique des soins. Cette unité est composée de cours théoriques et d'ateliers pratiques durant lesquels des professionnels de santé et spécialistes de terrain présenteront différents facteurs qui influencent la communication. Le but est de permettre d'établir et d'entretenir des relations de qualité, favorisant l'échange et la compréhension avec les bénéficiaires de soins. En finalité, cet apprentissage permettra de pouvoir sélectionner et appliquer les modes de communication adéquats pour préparer l'intégration dans le milieu de la santé. L'unité de cours Professionnalisation en santé permet aux élèves d'acquérir des connaissances fondamentales qui sont communes à toutes les professions de la santé. Trois axes d'enseignement, la santé publique et santé communautaire, la construction des rôles professionnels, la méthodologie et les outils d'apprentissage. Face à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, ces contenus de formation permettent d'identifier les différents facteurs qui influencent sur la santé des individus. Cette unité de cours permet de comprendre quels sont les points communs aux professions de la santé et d'identifier les rôles de chacun autour d'une même situation de soins. Enfin, certains cours seront également liés à l'utilisation d'outils nécessaires à l'apprentissage de l'élève afin de favoriser le maintien de sa santé et son bien-être durant sa formation. Dans l'unité de cours sciences et santé, les cours dispensés permettent dans un premier temps d'acquérir, puis d'utiliser des connaissances fondamentales dans le domaine des sciences biomédicales, de la santé et des sciences humaines, afin de comprendre les situations rencontrées. Dans un deuxième temps, d'identifier et analyser les changements liés à l'état de santé, afin d'informer les personnes compétentes et agir à l'aide de ces connaissances. Enfin, comprendre l'influence des différents facteurs sur la santé, afin de favoriser le maintien de la santé. Au cours de l'année, vous serez dispatché en 3 volets et vous effectuerez vos modules suivant votre cursus de formation. À très vite !